Et puis nous nous retrouvons avec deux auteurs, comme je vous disais au début de cette émission, il y a Leila, bonsoir, bonsoir, et Olaf, bonsoir. Alors, chers amis, vous venez de nous donner deux ouvrages euh, je le disais tout à l'heure, considérable. Alors, les auditeurs les plus fidèles vont sans doute me reprocher de ne présenter que des ouvrages considérables <laughs> et indispensables. Oui, c'est vrai. Et que voulez-vous On a le choix, par conséquent, on l'exerce. Et là, euh, Laïla vient de donner un, un livre remarquable, Les Trois Visages du Coran. Alors, vous faites, Laïla, une analyse, euh, avant de détailler bien sûr tout ça, vous faites une analyse assez complète du texte oui, du Coran. Une analyse scripturaire. Scripturaire, voilà. Scripturaire, ouais. Alors, on reste dans un travail universitaire. Et de synthèse, surtout. Mais de synthèse. Voilà. Et c'est ce qui est fort intéressant dans votre livre, c'est que euh, parmi une foule d'études remarquables, voilà. par ailleurs, euh, on se perd un peu. Mm. Euh, on n'a pas toujours la, la mémoire efficace pour pouvoir euh, parler autour de soi, pour pouvoir euh, voir convertir dégager ou, ou dégager des idées maîtresses. Idées maîtresses oui. Elles sont dans ce livre. Voilà. Alors, comment avez-vous procédé parce que c'est un travail immense. Oui, c'est un travail immense. En fait, au départ, on m'avait demandé, parce que je viens du monde musulman, hein, j'ai vécu 15 ans dans un pays musulman et j'appartiens à ce monde par le biais de ma belle famille. Et donc, on m'avait demandé de faire une conférence sur le Coran et le Christ. Et donc, je ne savais pas au départ sur quoi j'allais me baser et je suis tombée sur les travaux du Père Galaise et pour moi ça a été ma seconde révélation ma première révélation ça a été ma conversion au Christ en terre d'islam et ma seconde révélation c'était le les travaux du père Galès parce que ce qu'il disait sur le Coran je voyais autre chose que je, tout ce qu'on m'avait déjà dit et tout ce que j'avais cru savoir c'est-à-dire que derrière le Coran il y a un texte en souffrance et plus je lisais donc le père Galès et après il m'a orienté sur d'autres travaux, Guillaume Dix, Luxembourg, plus je lisais ses travaux de spécialistes, plus ma culture biblique euh, se révélait et me révélait le Coran. Donc il y avait un texte derrière le texte mmh. et c'était un foisonnement et une convergence d'indices qui faisait exploser une vérité euh, que le Coran, enfin les Corans qu on, qu on, dont on nous parle habituellement, ils cachent. Une montagne derrière, une montagne d'informations, une montagne. Euh, il y a une révélation derrière ce texte, mais une révélation pas dans le sens euh, biblique, biblique mais mais, divine. Mais, mais une révélation d'une supercherie et d'une construction euh, historique, enfin, une construction a posteriori mm -hmm. d'une histoire, une histoire de l'islam qui est complètement euh, fausse et à découvrir. Et donc, euh, je pense que. Eh bien on va, on va tenter de la découvrir. Alors, vous parlez du Père Galaze, euh, faut-il sur cette antenne parce que le Père Galaze est venu souvent s'exprimer ici bien évidemment, faut-il rappeler qu'il s'agit du Père Édouard Marie Galaze qui est l'auteur du Messie et son prophète en deux volumes, deux tomes. Je crois mmh. que ça a toujours été publié comme ça en tout cas moi je l'ai j'ai la première mouture. C'est c'est mmh. bien les deux tomes mmh. et euh, effectivement, c'est un travail considérable un travail d'érudition euh, dix ans de travail indispensable c'est oui. dix ans de travail sa thèse de doctorat euh, oui. voilà euh, ici même je renvoie aussi mais là on parlait essentiellement de Edouard Marie Gallès, je renvoie aussi aux ouvrages de Dominique et Marie-Thérèse Urvois bien sûr oui, bien que, sûr, que oui. tout le monde connaît pour peu qu'on s'intéresse un peu au monde de l'islam alors donc on a bien compris trois visages du Coran à oui. savoir une vous avez décrypté euh, la, la, ce qui était caché derrière le texte voilà, du parce Coran, C'est un texte stratifié. Donc c'est bien cette notion de stratification voilà. qu'il faut avoir en tête. Il y a plusieurs stades d'écriture et de réécriture. Oui. Et les scribes n'ont pas fait qu'une activité de compilation, de, de transcription. Frier, ça. Mais ils ont eu la part du lion, comme le dit Guillaume dit. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup de matière supplémentaire mmh. de lion. À ces feuillets qui, à la, à la base, n'étaient pas faits pour être unis dans un seul corpus. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler d'un corpus, mais de plusieurs corpus. Et tous les savants musulmans, jusqu'au XVe siècle, parlaient des Corans. Donc, il n'y a pas un Coran, mais des Corans. Donc, derrière ce Coran officiel, on peut voir en lui-même plusieurs strates, en ce sens que le, 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 la strate primitive ne comporte que des consonnes. Donc c'est un texte qui n'a pas de diacritisme, et donc c'est un texte consonatique. Il n'a pas été voyélisé. Voilà, il n'était pas voyélisé et même les consonnes il n'y a pas les, les signes orthoépiques qui permettent de les distinguer les consonnes donc en fait c'est un texte que vous le donnez à n'importe quel arabophone donc à ma belle famille ils sont même des professeurs universitaires sont absolument incapables de décrypter donc il faut après attendre plusieurs travaux enfin on dit d'après la littérature musulmane ottomane et d'autres abdel malik il faut attendre la voyellisation pour que ça devienne un texte déjà un peu plus lisible qui survient autour du Xe siècle je crois enfin 8e, 8e. 8e. On verra avec Olaf tout ça. Voilà. Huitième siècle, donc une deuxième strate, un deuxième visage, donc déjà un texte qui, qui est plus lisible. Et je parle d'un troisième visage, d'une troisième strate. Donc là, c'est l'interprétation, la glose interprétative des califes, enfin des scribes mmh. qui travaillent pour les califes abbassides et qui vont donner euh, vraiment la mouture islamique. Donc, la mouture islamique, en introduisant le personnage principal, le héros post-mortem, qui n'est pas dans la strate primitive ou qui n'apparaît que quatre ou cinq fois d'après les spécialistes. Exactement. Donc, tous vrai. les mots-clés islamiques sont des ajouts à posteriori, donc sur la, trois, la deuxième ou la troisième strate. Donc, en fait, il est important d'avoir une lecture stratifiée, de enfin, faire mm -hmm. ce travail d'archéologue. Et donc, il y a énormément de chercheurs, donc je, je lis tout ce que les chercheurs trouvent et sortent sur cette stratification. Parce qu'il y a même des chercheurs allemands qui disent que la strate la plus profonde est une strate chrétienne. Donc c'est une strate d'hymne chrétienne, donc, donc Luling. Donc, bon, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai mais en tout cas, c'est une hypothèse judéo-nazaréenne. Voilà. Enfin, je veux oui. pas dévoiler votre sujet que vous voilà. allez traiter dans un instant. Donc on trouve après, qu'on même n'étant pas spécialiste, mais connaissant bien la littérature biblique et parabiblique, ça saute aux yeux qu'il y a tout un tas de corpus empruntés chez euh, à la fois de la littérature, on va dire, judéo-chrétienne, judéo-chrétienne, mais du 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et, et parfois plus qu'emprunté, parce qu'il y a des... Presque, enfin, aujourd'hui, on dirait du copier-coller, ou, ou, oui, ou presque. Oui, bah les, les philologues ont remarqué, par exemple, que le personnage de Alexandre le Grand. C'est l'emprunt le, le plus visible. C'est un, enfin, un, emprunt total d'une légende d'Alexandre, un ouvrage commandité en 629 par Héraclius. Et donc c'est, d'après le, le philologue Guillaume dit, c'est l'élément la sourate qui va nous permettre de dire que la datation euh, actuelle des savants islamiques est complètement fausse, parce que si euh, il y a des sourates qui sont écrites après 629, le Mohamed étant mort en 632, donc il remet en question. Toute la chronologie qui est actuellement admise par les savants musulmans et admise aussi par la plupart des chercheurs euh, euh, coranologues oui, qui exactement. se sont basés euh, un peu béatement, un peu religieusement, ils se, se sont calqués sur le discours islamique. Donc en fait, les chercheurs remettent en question complètement cette chronologie d'écriture et disent que c'était bien des. Des textes différents qui ont été assemblés, mais a posteriori dans un but différent de, de du, ce du but initial. Du voilà, but initial. Exactement. Voilà, c'est essentiellement ça le message quand on décrypte le corpus coranique à la li, à la lecture des, de la littérature biblique et parabiblique, et para -biblique. surtout parabiblique, c'est-à-dire les apocryphes, bon, les traditions orales, les midraches. Donc mm -hmm. énormément de, 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 de sourates ne peuvent être comprises voilà. que donc, à la lumière Chrétien. Voilà, voilà c'est voilà. clair. Donc, c'est à, à la lumière du judéo-christianisme. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment ancrer le Coran dans une lecture historique. Et donc, c'est là qu'il faut faire aussi un travail d'historien, pas seulement de philologue et de coranologue et d'histoire de, des idées, mais aussi d'historien. Donc, en fait, c'est vraiment un travail où il faut faire, faudrait faire travailler un département entier exact. de spécialistes. Donc. Alors, le département est presque rassemblé dans ce studio, <laughs> puisque, puisque l'aspect euh, historique. Chronologique qui est si important, on va voir parce qu'il y a les strates euh, horizontales, si l'on peut oui, dire, mais il y a scripturaire, mais il y a cette cette colonne euh, chronologique indispensable oui, pour la compréhension. Pour comprendre. Et, et d'ailleurs, quand on lit euh, le Coran euh, d'une façon discursive, euh, effectivement, on ne comprend pas, en fait, tout simplement parce que euh, on est déconnecté de l'histoire, déconnecté total de de, 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 de l'histoire, puisque euh, les sourates n'ont pas été classées comme ça. Ça, vous le redirez tout à l'heure euh, certainement. Alors le le deuxième spécialiste qui est dans ce studio, c'est Olaf. Bonsoir donc. Bonsoir. Et alors là, vous nous donnez un, un petit ouvrage. Alors, est-il édité cet ouvrage dans le commerce Je l'ai édité moi-même. Ah, voilà. Je l'ai édité moi-même euh, pour une raison très simple c'est que je cherchais à lui donner la plus grande diffusion possible et que pour ça, le PDF, le fichier PDF est disponible gratuitement. C'est ça. Depuis et... le petit site que j'ai créé à cet effet. Voilà. Alors, le grand secret de l'islam.com. Voilà. Alors j'ai commencé par le lire en PDF, naturellement, avec les cartes en couleur, c'est très agréable d'ailleurs, la représentation. Mais vous l'avez quand même sorti sous forme de, 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 de recueil, en quelque voilà. sorte. Il y a quand même beaucoup de lecteurs ah. qui préfèrent l'avoir en livre ah. qu'en qu en PDF. Mais alors, tout ça, ça procède de la ouais. démarche initiale que j'ai eue euh, lorsque je suis tombé de mon siège en lisant les ouvrages du père gallès alors là encore, voilà. c'est vraiment la source, c'est euh, une source très importante, très importante. Euh, mais déjà, il faut il faut dire que le père galès fait lui-même la synthèse de, de peut-être même de siècles de recherches sur l'islam avant lui, mm -hmm. euh, qui s'appuie sur des, des, on va que c'est un géant sur l'épaule, sur les épaules de, de géants, qui s'appuie sur des travaux antérieurs très importants, notamment avec le père moussali, qui a travaillé longtemps le père et Moussali euh, qui qui est que... venu très souvent. Enfin, je sais pas, on a fait une dizaine d'émissions mmh. au moins pour ma part avec le père Moussali. Donc c'est c'est euh, là encore. Alors l'avantage du père Moussali, euh, si je puis dire, c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça, surtout pour des non arabisants comme mmh. je le suis moi. C'est que le père Moussali, lui, il l'était. Il était même de culture euh, arabe et musulmane. Mmh. Toute sa famille l'était. Et, et le père Moussali était un converti. Et par conséquent, ce qui était tout à fait euh, intéressant, c'est que ce que l'on nous reproche souvent à nous euh, non-musulmans, pour ne pas dire chrétiens, oh oui. c'est de ne pas pouvoir lire le texte du Coran, donc on nous reproche de ne pas pouvoir le comprendre véritablement, car euh, ne lisant pas l'arabe, euh, on ne peut pas avoir le Coran dans sa, dans sa version euh, dite officielle, puisqu'aujourd'hui, on, on nous explique bien qu'il faut lire le Coran dans, dans, dans la langue arabe. Donc, euh, le père Boussali était, euh, lui, euh, de de cette culture imprégnée mmh. de cette culture, euh, c'est bien qu'il avait évidemment une lecture euh, différente, différente. Il le lisait, il le lisait mmh. comme un musain hein. Vous pouvez le lire complètement, euh, complètement. Il, il le connaissait. Il, a... il, 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 psalmodier, psalmodier. il le psalmodiait Il connaissait beaucoup de, de par cœur d'ailleurs. Mmh. Hein. Il Donc, nous avait il y fait y a des démonstrations de qui impressionnantes. Mmh. Paru évidente grâce à cette psalmodie, Donc il a, il y a beaucoup d'éléments qu'il a pu détecter. Oui, Absolument. D'anomalies mmh. du texte. Mmh alors vous êtes à l'écoute du libre journal des auditeurs de lumière de l'espérance la radio du dimanche de radio courtoisie je reçois laïla pour un livre les trois visages du coran un livre tout à fait euh, intéressant je le disais tout à fait passionnant et pour le grand secret de l'islam c'est olaf et là on peut découvrir ce livre donc déjà en pdf sur legrandsecretdeislam.com Point .com, c'est ouvert donc et gratuit. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est librement disponible, c'est le but de cet ouvrage. alors parler de, de mon étonnement quand j'ai découvert les ouvrages du père Gallet. D'accord. Et... Euh, ce qui, ce qui m'a frappé également, c'est que ces ouvrages sont, sont d'un très haut niveau et euh, relativement peu accessibles au grand public. Exact. Les découvertes qui sont euh, présentées sont, le sont sous forme thématique. Euh, on fait appel à des sources d'une grande érudition. Et euh, la perspective globale ne se dégage pas à la première lecture. Et quand, quand j'ai lu ces ouvrages là je me dis mais c'est pas possible ce qui est racontait dedans est tellement important qu'il faut que le grand public le sache. Il faut que le grand public ait conscience que... Ben, disons-le, disons-le, hein, osons le mot, il faut que le grand public ait conscience que l'islam repose sur une imposture historique, une supercherie, une manipulation. Et euh, bah, c'est un événement euh, quand même de portée considérable, hein. ça va changer pas mal, je pense, la physionomie du monde, euh, la physionomie de notre pays. Euh, on a en ce moment, par exemple, beaucoup de déclinologues euh, ou de, de sonneurs d'alarme qui mmh. s'inquiètent de, de, des actes des uns et des autres. Qu'est-ce qui va se passer quand les, 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 les musulmans, petit à petit, commenceront à prendre conscience que leur, euh, leur religion est fondée sur une manipulation Je pense que c'est déjà un petit peu le cas pour certains et euh, on va voir dans le dans, le, dans les dans développement des années à venir certainement des, des... attendons-nous à être euh, très très étonnés voilà voilà très voilà. étonnés mais je pense qu'il mmh. est euh... De toute façon, indispensable euh, d'avoir euh, lu vos ouvrages, si, si ce n'est ceux de, euh, de on, on évoquait mmh. les les les, les ou euh, le père Galès, bien naturellement, et, et le père Moussali, bien évidemment aussi, mmh. et, et et Bernard Ottoni qui a fait aussi un, un certain nombre d'ouvrages, mmh. alors de, de, de vulgarisation, mais extrêmement documenté, qui s'appuie aussi sur d'ailleurs sur les textes de, de du père Moussali, c'est évident. Mais euh, je pense qu'il est indispensable de connaître avant de d'avoir le moindre opinion. Euh, quand comme on entend trop souvent aujourd'hui. Hein. Enfin, quand vous entendez un Premier ministre qui euh, se prétend, euh, enfin, qui, qui fait comme s'il était docteur en islamologie mm -hmm. pour pouvoir dire ça c'est l'islam, ça ça ne l'est pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement, c'est absurde, c'est aberrant. Euh, au moins, euh, travailler ces sujets. Or, la plupart n'ont jamais ouvert un Coran mm -hmm. avant d'en mm -hmm. parler, ce qui est tout de même assez regrettable. Je ne parle même pas de l'analyse qui est qui en est nécessaire. Alors, euh, avant de, de poursuivre euh, cette émission, euh, on, on vous demande, Laïla, Madame, pouvez-vous vous présenter, car nous ne savons pas si vous êtes une Française convertie à l'islam, ou une chrétienne à, à prénom arabe, ou bien une musulmane. Ce point est important pour comprendre votre point de vue. Alors, je suis française et je me suis convertie au christianisme en terre d'islam alors que j'étais mariée à un musulman. Donc, je me suis convertie au catholicisme en terre d'islam. Donc, Donc, au contact de la civilisation, du mode de vie, c'est plus que voilà. au contact de, de, de l'islam, confrontation avec l'islam. J'ai d'abord voulu essayer de me convertir à l'islam. J'ai lu énormément de littérature islamique et puis s'est trouvé que un évangéliste m'a donné un, un évangile et j'ai pu faire ma propre recherche et Jésus m'a trouvé, et donc je suis devenue catholique en terre d'islam. Et donc je me sens une mission particulière auprès du peuple musulman parce que je trouve que c'est un peuple qui cherche souvent Dieu, mais pour chercher Dieu, il faut avoir une notion de la vérité et de la vérité, ça passe aussi par la connaissance de l'histoire réelle. Et donc l'islam, la, la, la plus grande importance dans cet islam, c'est qu'il y a une falsification de l'histoire. Donc même si je ne suis pas historienne, euh, c'est quelque chose qui se, qui se démontre très facilement, l'histoire complètement falsifiée. Mmh. Alors, comment, euh, on, on va au, au fond, au, au bout du sujet, euh, dès, dès, la, dès, dès le début de l'émission, si je puis dire, mmh. comment persuader un musulman honnête, sincère, euh, comment persuader un musulman que, en fait, toute son histoire... Et toute l'histoire à laquelle il croit c'est quand même terrible parce que il croit de, de foi en quelque sorte, mais il croit aussi par la prégnance de la société musulmane. Il croit par rapport euh, à ses frères musulmans par rapport à sa famille par rapport on sait tout le poids euh, nous ne pouvons pas aborder. Euh, la, la moindre connaissance de l'islam si on ne se met pas un petit peu dans la perspective du musulman à l'intérieur de sa société. Or, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui vis-à-vis de l'islam, on le constate en tout cas chez nous et en Europe en général, ce sont des décisions de personnes qui sont, même s'ils ne se l'avouent pas, de culture chrétienne, juridiquement de culture chrétienne, c'est-à-dire qu'ils ont ce que nous disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire des, des siècles et des siècles d'imprégnation de, chrétienne, et euh, ils jugent de l'islam en fonction de cette imprégnation. Tout à fait. Or. Donc, ils ne peuvent pas en avoir une notion exacte. Alors, comment euh, ils, ils le connaissent peut-être très très bien, l'islam, figurez-vous. Euh, parce qu'en fait, on, on se trompe parfois souvent sur l'islam. On pense que l'islam, c'est le Coran. Effectivement, euh, quand on, on regarde l'histoire islamique mmh. officielle, le Coran est le pivot de l'islam. C'est la révélation de la parole d'Allah. C'est ce qui est dit, en tout cas. C'est ce qui est dit. Mais quand on étudie un petit peu l'histoire, qu'on la reconstruit comme comme j'ai pu le faire avec oui. le Père Galé dans le, le Grand Secret de l'islam, on se rend compte que le Coran n'est qu'un élément contributif de l'islam. Et qu'il sert à justifier quelque chose qui est bien plus important que lui. Alors ça, c'est votre thèse, naturellement. Ah, c'est plus... On le voit par exemple à l'action, chez, chez ces jeunes européens qui vont faire le djihad mm -hmm. en, au Moyen-Orient. Oh, oui, en Syrie, oui. Ils n'ont pas lu le Coran. Non, On l'a oui, vu également dans l'histoire. Ça a été montré par des, par des, par des historiens, les... les... Les musulmans, alors on ne voit pas les guillemets là quand je parle, mais les, <laughs> les pseudo-musulmans du, du début du 8 siècle qui sont allés conquérir la, la péninsule ibérique n'avaient pas de Coran. Ils n'avaient pas de Coran. Quelle était leur foi En quoi est-ce qu'ils croyaient Eh bien, ils croyaient, ils croyaient constituer la meilleure des communautés. C'est ça. Ils se croyaient choisis par Dieu pour établir son royaume sur terre. C'est ça en fait l'islam. C'est le projet par nature impossible d'arriver à éradiquer le mal du monde. Donc c'est un projet fou, c'est un projet fou, il faut, le, faut le, le comprendre. Pour que ce projet puisse, on va dire, s'instiller dans les, dans, les, dans les consciences, il faut que se bâtisse une forme de surréalité chez les, chez les musulmans. Mmh. C'est plus ou moins fort selon, on va dire, l'imprégnation. C'est-à-dire que qu'on va croire les légendes islamiques. Elle est là, la surréalité. Ces légendes ne sont pas réelles. Elles disent, par exemple, que le musulman est au-dessus des autres. Mmh. On a déjeuné tout à l'heure chez une convertie issue de l'islam. Je lui ai posé la question. Alors, euh, quand, quand tu étais musulmane, qu'est-ce que tu pensais des chrétiens C'était mes ennemis. Tu te pensais meilleur qu'eux Oui, j'étais au-dessus d'eux. Mmh. Voilà voilà en fait ce qu'apporte ce qu l'islam. Voilà, on va dire, l'immense la, la, oui, euh, mmh. pouvoir d'attrait de l'islam. Il fait du musulman une personne supérieure appelée à accomplir le plan de Dieu. Et c'est pour ça que des jeunes européens vont partir faire le, mmh. le, le djihad. Mmh. Alors, ces jeunes dans, dans l'islam qui partent mm -hmm. parce qu'ils sont supérieurs aux autres pour, et, et désignés par Dieu pour accomplir son plan, est-ce qu'il n'y a pas une autre religion, le peuple élu, qui a également cette prétention Et c'est là qu'on voit une certaine parenté. Et bien voilà. voilà. là, on y vient, on y oui. vient. Le messianisme est bien exactement un fruit euh, du judaïsme. Exactement. Mm -hmm. le, le messianisme, exactement. Ça, je m'en suis rendu compte en travaillant avec le père Gallès, qui est un, un grand, grand spécialiste du sujet. C'est un fruit. Du judaïsme matiné d'idées chrétiennes euh, mm. complètement dévoyées. Et pour ça, en fait, il faut il faut faire un peu d'histoire des idées et comprendre quelle est la grande nouveauté qu'a apporté Jésus et on va dire la prédication de ses apôtres dans le monde. Euh, Jésus, il arrive dans un monde qui euh, qui fonctionne un peu de manière cyclique. On considère que le bien et le mal se succèdent. Euh, on a multitude euh, de mythes euh, mm. cycliques avec le bien, le jour qui succède à la nuit, les saisons qui se succèdent. Le, le mal est compris dans le bien, le bien est compris dans mmh. le mal. Et les hommes ont appris plus ou moins à vivre avec le mal en, en le prenant comme un donné. Et Jésus arrive en disant, mais non, le, le mal, on peut s'en délivrer. Il y a la possibilité d'être sauvé du mal, il y a un salut. Et c'est une nouveauté absolument radicale dans mmh. le monde païen de l'époque. Alors, c'est une nouveauté qui était déjà préparée par la religion juive, hein, d'une certaine manière, avec ses, ses lois de pureté. Ces règles de séparation de, du juif et du non-juif qui préparaient déjà ce, cette vision d'un monde possiblement délivré du mal, mais, mais avec une telle complexité dans ces règles de pureté que euh, elles étaient, in, elles devenaient inatteignables. Donc, on, difficile. Hein, on on, on revient, on revient dans, ce, dans, 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 dans un autre cycle en quelque sorte d'impossibilité de de ouais. de, 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 d'atteindre. Voilà ce que je voulais dire. Euh, cette mm -hmm. éradication du mal. Voilà. En tout cas, quand Jésus, arrive, quand Jésus arrive, son message est radicalement nouveau et touche les consciences d'une façon complètement euh, inouïe. C'est-à-dire que les, les gens prennent conscience qu'ils peuvent être libérés du mal, à la fois sur un plan personnel. Alors, dans le message de Jésus et de ses apôtres, ça passe par la relation personnelle à Dieu mm -hmm. et à la fois sur un plan collectif. Quand on parle de royaume de Dieu, on, certains imaginent que ça pourrait être un monde délivré du mal. D'ailleurs, c'est ce que Jésus promet. Il promet, euh, avec son retour en gloire, un monde délivré du mal. On ne peut pas de délivrer le, le monde du mal ici, ici tout de suite. Oui. D'ailleurs, il dit lui-même que euh, il y a une parabole, je crois que c'est le Bon grain et livré mm -hmm. qui est assez connue, où il nous explique que ne revient pas à l'homme de, 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 voilà, de, de, de faire le jeu, voilà, le... de séparer Dieu et de ouais. séparer ouais. le bien du mal. Mais quoi qu'il en soit, euh, à partir du moment où l'idée a été lancée, certains l'ont récupérée à leur propre profit. C'est-à-dire que cette idée que le mal, euh, on, peut, on peut se séparer mm -hmm. du mal. Elle possède une puissance euh, très très forte et certains l'ont exploitée. Et on le voit après en travaillant l'histoire, ils l'ont exploitée en fonction de ce qu'ils étaient. Alors les premiers à l'avoir exploitée, ce sont euh, certains juifs, certains juifs, on peut, on peut dire judéo-chrétiens, mais assez, assez hérétiques, qui n'ont voulu voir dans cette idée de se délivrer du mal. Que des choses très très terrestres. Ils étaient travaillés, par exemple, par l'idée de, de la venue d'un Messie politique, un Messie euh, roi, un Messie qui restaurerait le, le royaume d'Israël. C'est l'entrée du Christ dans Jérusalem. Voilà, c'est l'entrée du Christ de, dans de... Jérusalem. Hosanna, euh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, c'est euh, c'est exactement ça. Et euh, ce qui se passe après la mort et la résurrection de, de, de Jésus, euh, on va dire secoue un petit peu ces, ces partisans d'un Messie euh, politique. Mais ils ont gardé quand même des espérances. Mmh. Euh, elles tourneront beaucoup, ces espérances, autour du temple. Parce que Jésus, dans mmh. sa prédication, avait dit une parole assez curieuse. Il avait dit, Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Mmh. Bon, alors on voit comme ça, à partir des années 30, se... commencer de se cuisiner une, 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 dérive, une dérive de ces idées judéo-chrétiennes. Euh, Qu'on qualifie aujourd'hui de messianisme. C'est le, le, les premiers messianismes qui ont existé, le premier messianisme global, et qui tourne autour d'une royauté euh, supposée euh, donnée au Messie sur Israël et du rétablissement de la grande gloire d'Israël. Et puis petit à petit, avec ce, on va dire cette espèce de cocotte-minute religieuse, une fois que les idées chrétiennes ont été lancées dans la nature qui se développe à, à Jérusalem et en Israël, on voit, euh, on voit ces mouvements se déployer. On les, on les piste par les les, les premiers auteurs chrétiens, on les, on les, et ils arrivent comme ça jusqu'à l'événement considérable de la grande révolte, la première guerre juive. Mmh. Les juifs se révoltent contre l'occupant romain. Alors, bon, il y a beaucoup de, à, beaucoup de choses à en dire, mais il se passe un événement terrible pour les juifs. Le temple est détruit. Alors, Flavius Joseph dit que c'est par accident. Il n'empêche que le temple est détruit. est détruit. Et là, on voit la prédication de Jésus détruisez ce temple et je le mmh. rebâtirai en trois jours. Alors, à l'occasion, on va dire, de ce, du siège mené à Jérusalem, les Romains menant le siège autour de Jérusalem ont demandé aux non-combattants mmh. de s'enfuir et de quitter Jérusalem. Donc, il y a toute une troupe de judéo-chrétiens, de juifs-chrétiens, plus ou moins chrétiens d'ailleurs, mmh. qui quittent Jérusalem. Tout ça, c'est hallucinant. Tout ça, c'est une enquête qu'on mène et on en trouve les traces dans les, dans les textes anciens. Oui. Ils quittent Jérusalem. Ils se souviennent de la prédication de, de, de Jésus qui parlait de Jérusalem en, encerclée. Ils quittent Jérusalem, ils vont se réfugier sur les, les hauteurs du Golan, les plateaux du Golan, et alors que le, le, le siège est levé et que bon, le temple est détruit, on va dire que les, les, les Judéo-Chrétiens, vraiment chrétiens, reviennent à Jérusalem, mais certains restent sur le plateau du Golan, et là ils consomment leur rupture avec le groupe Judéo-Chrétien. Pourquoi est-ce qu'ils restent C'est qu'ils attendent que Jésus vienne reconstruire le temple. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Et ils se disent jésus va revenir terminer le travail qu'il n'avait pas pu faire en tant que messie politique il avait été empêché par les autorités du temple par la, la, la foi malsaine des, des pharisiens par exemple donc eux se disent jésus va revenir jésus va revenir et petit à petit en restant comme ça à l'écart en, en ruminant leur, leur, leur messianisme mmh. ils en viennent à se dire qu'ils vont prendre la place de jésus et reconstruire le temple même pour le faire revenir et le faire revenir, ça veut dire, bah, ça y est, c'est bon. C'est le ça. messie politique mmh. d'Israël qui va revenir. Il les nommera euh, généraux de, de son armée. Il fera d'eux les nouveaux seigneurs du monde. Et petit à petit, ce groupe va commencer comme ça de se donner une, un, un corpus euh, politico-religieux que l'on piste à travers l'histoire, au travers bah, des, des, des pères de l'Église qui les ont dénoncés comme des hérétiques. Euh, Saint Jérôme, par exemple, Eusède, Épiphane, le Panarion. C'est étonnant, on, on les piste comme ça et on en trouve des traces archéologiques. On les trouve, on trouve leur euh, leur leur Puisqu'en fait, c'est ce il faut, il faut dire tout d'abord que c est, c est, ces gens s'appelaient eux-mêmes Nazaréens. C'est ça, Nazaréens. Nazaréens, c'est le qualificatif que se donnaient initialement les, les chrétiens du temps de Jésus, mais les chrétiens se sont très très vite appelés chrétiens, mmh. c'est-à-dire euh, messiens euh, et non pas Nazaréens à partir du moment. Où ils ont donné une nouvelle, un nouveau sens au mot de, au mot de Nazaréen, au, au, au mot voilà. de Messie. Oh, oh, miné, oui. et, et donc ceux qui ont refusé, on va dire, la, la messianité chrétienne de Jésus, ont gardé ce sobriquet de Nazaréen pour eux. Et c'est comme ça que les, les pères de l'Église les ont dénoncés, et puis également sous d'autres sous d'autres appellations. Oui, oui, oui. Ni juifs, ni chrétiens, totalement oui. juif et totalement chrétiens, voilà. c'est ce qu'ils disent, Epiphane, sur les Nazaréens. C'est ça. Oui. C'est comme euh, ça qu'ils se voient. Alors, je, 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 je vous interromps un, un instant dans cette explication euh, fort intéressante, parce que plusieurs auditeurs nous disent, je, je lis un message, mais le, le sens est le même pour beaucoup, euh, les juifs auraient inventé la religion musulmane pour éradiquer le christianisme. Peut-on qualifier l'islam de secte Est-il vrai que l'islam est une religion créée par les juifs pour contrecarrer la chrétienté C'est-à-dire que on, on sent que c'est un des euh, des, des euh, soucis, presque un leitmotiv, euh, etc. Et puis alors, euh, également, une auditrice qui nous dit, euh, jusqu'en 630, alors pourquoi avant Jésus-Christ Je crois que c'est plutôt après, d'ailleurs, mmh. c'est plus logique. Les musulmans étaient chrétiens, il faut leur dire. En Mais tout bon, cas, ils étaient. Voilà, les Arabes, les Arabes. Les judéo-nazaréens. Oui. Judéo oui. La péninsule arabique, elle était. Alors, on passe d'être complètement christianisé. Christianisés, bien évidemment. Et ça, c'est l'abbayant qui le dit. Euh, bah... aussi. Je crois <laughs> qu'il faut redéfinir le, le terme de juif. Enfin... Oui, ah oui. oui, oui c'est important parce que lorsqu'on parle de judéo-nazaréens, ils sont d'ethnie juive. Mais ils n'ont pas la religion des Juifs rabbiniques. Voilà. Après et... la réforme talmudique de la fin du premier mm -hmm. siècle, et puis qui se qui se continue après à notre, Enfin, je crois que c'est à Yavne au début, puis après à Babylone. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on a un regard rétrospectif sur l'histoire on qualifie de Juifs euh, tous les Juifs de l'époque et on veut y mettre le, le, le même sens que ceux des Juifs rabbiniques d'aujourd'hui qu'on trouve. Euh, dans les synagogues du Marais, oui. non. Il faut, faut reconnaître une, une complexité euh, à l'histoire du peuple juif. Il y a eu des juifs chrétiens en très grand nombre, en très très grand nombre. Bah, au premier chef Jésus et les, et les apôtres. Bien sûr, absolument. Il y a eu après des juifs rabbiniques issus de la mouvance pharisienne. Il y a eu des juifs qui ont suivi le parti des sadducéens il euh, y a une petite euh, controverse il pas très longtemps on dit qu'ils ont fondé ou contribué à fonder l'Empire le, Khazar mmh, en Crimée mmh, mmh. enfin, disons qu'il y, y a une, une, une complexité de, mmh. du mouvement juif et qu'on mmh. ne peut pas ramener euh, tout ça à une, une forme d'homogénéité euh, qu'on décrète a posteriori et donc en aucun cas on ne peut parler d'une fondation de l'islam par les juifs et encore moins euh, d'une fondation à dessein pour détruire le christianisme il n'empêche il n'empêche mmh que des travaux très récents, ce qui se passe des choses euh, après, la, euh, après le Père Gallet, <laughs> des travaux très récents, je pense à Jean-Jacques Walter, qui a, qui, a, mm -hmm. qui, a, qui a publié une thèse très très importante qui s'appelle Le Coran révélé par la théorie des codes, où pour la première fois on a soumis le texte coranique à une étude informatisée systématique. Ça n'avait jamais été fait dans, dans toute l'histoire, jamais. Alors on l'a on fait pour les évangiles par exemple, on l'a fait pour la Bible. On le fait, par exemple, sur des œuvres de Shakespeare où ça permet de dire que bah, la pièce Édouard III, dont on savait pas tellement s'il fallait oui, lui oui. attribuer, si c'était lui ou Marlowe, ah. eh bien, en fait, c'est plutôt du Shakespeare. Bon, euh, en tout cas, lui, il l'a fait sur le Coran et il a montré que le, la première strate, cette fameuse première, première, première strate euh, dont vous parliez, elle est là. Elle n'est elle, elle pas dans l'affirmation d'un monothéisme nouveau ou même d'un monothéisme tout court, mais dans un anti-christianisme, mm -hmm. contre l'associationnisme des chrétiens. Mmh. Voilà, et on en revient là à la foi première de nos, de nos judéo-nazaréens qui sont établis sur le Golan et puis après plus au nord en Syrie, qui sont qui se voient comme de vrais juifs ethniquement, même s'il existe d'autres juifs à côté que eux condamnent, et qui se voient également comme les vrais chrétiens, puisque eux ont reconnu le Messie, même si pour eux ils pensent que le Messie n'est pas mort, qu'il a été enlevé par Dieu si et gardé un... en réserve au ciel, mmh. jusqu'à temps que le temple soit substitué, la source peut-être, enlevé. Voilà. Et qu'il est gardé en réserve jusqu'à jusqu temps que le, le temple de Jérusalem soit reconstruit. Et à ce moment-là, il va redescendre dans toute sa gloire euh, bien terrestre. Mm -hmm. Avec, euh, il prendra la tête des armées des Juifs nazaréens et il éradiquera le mal du monde. Et on voit là, voilà, voilà, voilà comment se constitue donc le, le corpus le... religieux des, des nazaréens. Et tout ça, on le sait parce qu'on les piste. On voit ça. en Syrie, en Syrie. Et on n'est pas du tout dans le désert d'Arabie là. On est en Syrie. On voit des noms de lieux. Nassara, na... la, a... la, la, la toponymie, tout la à fait. La toponymie, la toponymie. Le, 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 le. Par exemple, le, le mont des Nosairis, le. Oh là là. Il y en a tellement, <laughs> tellement, tellement, tellement. Euh... Le Wadi An-Nassara, an Il n'est question que de Nazaréens. Et même jusqu'aux Alaouites d'aujourd'hui. On les appelle à la 8 en français, mais ils s'appellent aussi nosaïri. Et Joseph Aziz a montré qu'ils qu étaient, a priori, les descendants de ces Nazaréens établis en Syrie. Alors, c'est très intéressant, ces Nazaréens établis en Syrie. Leur projet est d'arriver de, de, à conquérir Jérusalem pour rebâtir le temple. C'est-à-dire qu'ils se sont un peu appropriés ce qui pensaient être le rôle du Messie. Et pour ça, pour y arriver, eh bien, ils se rendent compte que c'est pas avec leurs petits bras que ça suffira. Il va leur falloir une force armée. Cette force armée, ils sont loin d'en disposer, parce qu'ils vivent à l'écart, ils vivent un peu coupés du monde, on va dire dans un espèce de diso d'isolement... communautarisme, Voilà, d'isolement ethnique. Euh, oui. Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire euh, Eh bien, ils ont autour d'eux des forces intéressantes. On est là maintenant au 4e, 5e, début du 6e siècle, et il y a autour de ces judéo-nazaréens établis en Syrie, des tribus arabes, euh, nomades qui euh, sont christianisés de fraîche date et qui ont pour beaucoup un passé de, de pillards et de mmh. et de de de, de, de réseau de, de oui de, de, de Redou. Redou. et euh, qui sont dont on a pu voir dans l'histoire qu'ils étaient assez efficaces contre la lourde armée romaine byzantine grecque euh, que la, la guerre de Radia était assez euh, assez efficace et donc il y a un projet qui se met en place chez ces judéo-nazariens qui est d'aller transmettre leur espérance messianiste leur vision du monde, euh, d'un monde à conquérir, mmh. d'un monde à délivrer du mal, transmettent cette espérance aux, aux arabes, arabes enfin, aux arabes chrétiens. Ça, on le voit dans l'évolution de l'habitat de ces judéo-nazariens. Il y a des fouilles archéologiques qui ont été menées en Syrie, et on se rend compte que, alors, il y a des, des synagogues très curieuses qui qui associent des symboles juifs. À des symboles chrétiens, c'est une chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, et donc ça identifie très, très certainement ce courant nazaréen. Et on se rend compte que euh, petit à petit, c'est des arabes sont venus habiter dans les villages, et donc il y a eu une cohabitation des arabes chrétiens sont venus habiter dans ces villages. Et pourquoi cette cohabitation pour la, la prédication et euh, derrière le. le L'envoi hum. en, en mission de, de conquête, là que de, les, les feuillets du Coran, hum. enfin les, du corpus, sont écrits. Voilà, c'est exactement ça. Hum. Qu'est-ce que c'est maintenant que le Coran Alors, le Coran, quand on est là, à peu près vers l'an euh, 600. Mahomet est en est, on pense, vers l'an 570. 570. Sachant que cette date n'est absolument pas sûre. Hein. C'est une date qui a été refaite, dédiée oui, hein. par ah, des oui, islamologues ça, occidentaux. Oui. occidentaux. Bah, alors, toute Et la biographie les... de Mahomet, c'est a posteriori. Hein. C'est ça, voilà. Ça, on le dira tout à l'heure. On reviendra <laughs> là-dessus parce que je pense que c'est <laughs> effectivement très important. Pardonnez. s'il ouais. <laughs> vous On trouve, on trouve dans, des, dans certains témoignages des traces de l'endoctrinement de ces judéo-nazaréens auprès des arabes. C'est passionnant, j'en ai mis quelques témoignages oui, dans le, oui. le grand secret de l'islam. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des prédicateurs juifs qui ont voulu transmettre leur foi à des arabes en leur, en leur transmettant euh, leur texte. Le problème, c'est que ces arabes, ils parlent arabe, mm -hmm. ils ne parlent pas ou peu l'araméen, même si les langues sont très très proches, ils ne lisent pas l'hébreu, et donc il ne faut pas lire la Torah de ces juifs qui lisent la Torah. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les, les, les Nazaréens ont traduit en arabe leur lectionnaire. Un lectionnaire, bah, c'est un livre de célébration liturgique avec des extraits de la Torah, des extraits de l'Évangile. Ils lisent l'Évangile. Ils lisent l'Évangile de Matthieu. On l'a matiné, matiné voilà. enfin, transformé, Pas adultéré. Pas les Évangiles, mais l'Évangile. Voilà. Je pense que c'est l'Évangile de Matthieu, adultéré par sa conservation dans ce mm -hmm. milieu-là. Et les pères de l'Église l'ont identifié comme étant l'Évangile des Hébreux, un apocryphe mmh. en fait, mmh. mais qui est assez proche quand même de l'Évangile de Matthieu. Et c'est l'Évangile, n'en ont qu'un. C'est ça. Donc ils lisent, ils lisent en fait euh, bah de la Torah dans, ses, dans, ce, dans leur lectionnaire, des commentaires et puis toutes sortes de Peut littérature. Peut-être aussi des apocryphes chrétiens. Des apocryphes chrétiens, et toutes beaucoup, sortes de littérature voilà, qu'on redécouvre aujourd'hui. aussi. Et donc ces prédicateurs qui vont aller après prêcher en arabe auprès des Arabes, prêcher dans un, un arabe clair, par exemple. Euh, disposer avec eux de petits feuillets de prédication sur lesquels ils avaient noté leur prêche. Ces petits feuillets, on va voir qu'ils vont jouer un rôle capital dans la constitution du Coran quelques années plus tard. On est là vers 600-610. Mmh. On pense que Mahomet est l'un de ces prédicateurs. Mmh. Certainement pas le seul, mais l'un de ces prédicateurs. Il y a des témoignages, des témoignages ahurissants de, 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 de juifs, par exemple, qui ont observé Mahomet prêcher, et qui nous donne, en dehors de tout contexte euh, islamique, un témoignage des prêches de Mahomet. On en retrouve des échos dans le Coran, mais ce que prêche Mahomet n'est pas musulman, n'est pas islamique ça. à l'époque. Et Mahomet avait un secrétaire. Alors Mahomet avait un secrétaire. Oui. Mahomet avait des collègues prédicateurs. Il n'était certainement pas le seul prédicateur. Il était, euh, en revanche, on peut le penser, un des chefs les plus, les plus les plus significatifs, oui, si oui, ce oui. n'est le chef militaire de la troupe composite oui. Koreshite arabe, et la tribu de Koresh arabe et judéo-nazaréenne. Et après, on voit dans l'histoire euh, se déployer ce fameux projet de reprise de, de Jérusalem qui va se faire par le truchement des Perses. Alors, il faut un petit, faire un petit peu de, de géopolitique <laughs> du 7e siècle pour comprendre que euh, bah, le... le le, le, le proche Orient, on va dire la, le, ce que les, les islamistes appellent le Cham, mmh, la Syrie, mmh. la, la Palestine, est le lieu d'affrontement mais séculaire entre euh, la puissance méditerranéenne et la puissance perse pour la Méditer, pour la, la on va dire pour Rome et puis après Byzance euh, qui ont une logique de conquête du pourtour méditerranéen forcément il faut conquérir il faut avoir un, un pied en Palestine et en Syrie. Pour la Perse, euh, la Palestine, la Syrie sont leur débouchés sur la Méditerranée. Donc exact. forcément, ils s'affrontent à cet endroit-là depuis des centaines d'années, mm -hmm. des millénaires même. Et donc, ils passent leur temps avec des... un coup l'Empire le, méditerranéen qui gagne, un coup il perd, mm -hmm. et ainsi de suite. Et en 614, eh ben, c'est au tour des Perses de gagner. Il y a une, une expédition qui se monte euh, contre Byzance, et il y a un des généraux de cette, de cette expédition remis à qui va partir jusque Jérusalem et conquérir Jérusalem. Et là, on se rend compte qu'en fait, Remisanès a emmené avec lui des troupes euh, auxiliaires arabes. arabes. Et parmi ces troupes auxiliaires, on est maintenant sûr et certain qu'il a emmené avec lui des Coréchites. Mm -hmm. Des coréchites. Il les a emmenés en passant, c'est-à-dire qu'il est passé par le, en passant par le nord à la Syrie. Et avec ces Coréchites, il y a leurs maîtres dans religion, des Judéo-Nazariens, qui sont tout heureux de pouvoir participer à la conquête de Jérusalem. Et donc, comme ça, en 614, ils arrivent à Jérusalem. Donc, cette troupe composite avec des, 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 des cavaliers arabes et des judéo-nazaréens, un petit peu comme commissaires politiques, un peu à la façon des, des, des soviétiques. Ils arrivent à Jérusalem et là, on en trouve des traces dans le Coran lui-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Alors, le discours musulman veut faire dire à ces passages complètement autre chose. Complètement autre chose. Il parle de la conquête de la Mecque. Il parle d'autres événements qui sont vraiment, qui relèvent de la légende. Mais on trouve des traces dans le, dans le, dans le, dans le texte coranique lui-même de l'arrivée de la, la fin de la conquête de Jérusalem, de l'arrivée de la troupe composite arabe judéo-nazaréenne qui se précipite à l'esplanade du temple pour aller refaire les sacrifices et faire revenir le Messie. Euh. Ça y est, ça y est, il va revenir, euh, il, vont, il, vont, il, va, il va délivrer le monde du mal, il va emmener les, les arabes, les judéo-nazaréens associés dans le même projet, euh, les uns fils d'Ismaël, les autres fils d'Isaac. Euh, il va les emmener à la, à, la, à la conquête du monde. Il fera d'eux les rois. Il fera les, Il leur donne. Il les ça. Euh, dans les délices jusqu'à l'éternité. Voilà tout, toute la toute la philosophie, en tout cas voilà. toute l'annonce messianique euh, l'on voilà. connaît. Oui. Et donc les les, les arabes euh, et les juifs nazaréens préparent les sacrifices nécessaires. On en trouve des traces dans le Coran. Ils se rasent la tête comme les nazirs de de l'Ancien Testament. Je ne sais plus. Oui 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 oui. Nazira, exact. Les naziras. Euh, oui, Et euh, les ouais nazira ouais. Mm -hmm. Et il se passe que ils se ils en viennent aux mains avec les, les juifs locaux qui eux ne veulent pas leur laisser le, le contrôle de l'esplanade du temple. Ça a un sens pour eux aussi hein, l'esplanade <laughs> du temple. Et il euh, bah, y a une algarade qui s'ensuit et Remis le général perse, prend le parti des juifs locaux qui sont un petit peu plus euh, un petit peu plus important stratégiquement parlant que les, les quelques juifs nazariens et il, la troupe arabo-nazarienne est expulsée. Donc là on voit Mahomet déployer les trésors de prédication, c'est la sourate dite des Romains. Voilà, c'est ça. C'est très, très intéressant. Là, il a... Les il a... Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Mm -hmm. Exactement. Bon, alors il faut la voir dans l'autre sens, mais, <laughs> mais ça, euh, ça, 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 c'est une des subtilités de la, on va dire, la composition du Coran. C'est qu'après, on a voulu lui faire dire les, alors, autre chose oh, oh, que ce qui est Voilà, exactement. Et donc, donc, voilà voilà notre troupe composite qui repart en Syrie, mm. et puis euh, bah, un petit peu piteux, qui essaie de se refaire des forces là-bas. Et le, le temps passe, et il arrive après que Héraclius, bah, euh, bah, l'empereur le, 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 byzantin, ne va pas laisser le contrôle de Jérusalem, la grande ville sainte, aux Perses, et petit à petit, il monte une armée et se prépare une, une opération pour reprendre, le, reprendre Jérusalem. Ouais. D'autant que Jérusalem avait beaucoup souffert. Hein. Je crois qu'il y avait le, plusieurs milliers, voire oui, dizaines oui, de ça. milliers de... 30 000 morts. On découvre encore des charniers oui, 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 à oui, oui. la piscine oh. de Mamilla. C'est ça, ça oui. Récemment, oui. oui. oui ça, voilà. Bon, toujours dit-il que, que Héraclius prépare, prépare une expédition. Ça commence à se savoir et on pense que les, les Judéo-Nazaréens locaux, ceux qui sont restés en arrière lors de l'expédition de 614, Font comprendre à leurs collègues partis en, en à Jérusalem qu'ils sont plus vraiment de leur de sainteté, ils les chassent, et donc il faut partir. C'est la fuite. C'est la fuite devant euh, la possibilité que Héraclius rende aux judéo-nazaréens et aux arabes la, la monnaie la... de leur pièces. <laughs> et donc tout ce contingent fuit, tout ça, au plus loin, dans le désert d'Arabie, à Médine, qui s'appelle à l'époque Yatrib, Yat Yat hein. chez des judéo-nazaréens amis. Donc il s'agit de tribus juives, ça on pense vraiment que ces tribus uh -huh. juives existaient, elles sont mentionnées dans le discours islamique. En revanche, euh, on n'a aucune trace dans les archives très très complètes des, des juifs rabbiniques de l'existence de tribus juives là-bas. Donc on peut penser que ce sont des judénazarians, uh -huh. c'est-à-dire des, des, des gens d'ethnie voilà. voilà. juive, mais qui n'ont plus la foi juive canonique, uh -huh. on va dire des, des juifs rabbiniques. Rabbinique, ouais et donc voilà que ce petit contingent va s'établir euh, à yatrib et euh, à partir de là euh, planifier. essayer de planifier voilà un retour, euh, un retour en force pour jérusalem. conquérir la terre sainte et jérusalem et c'est c'est ce qui va arriver ouais. c'est ce qui va arriver quoi. et d'ailleurs que... la, la prière à ce moment-là est tournée vers jérusalem mais la prière et, est tournée et... vers jérusalem c'est à, oui, oui. à dire que et là, là on, on le verra en, en discutant un petit peu des différentes strates du coran ce, ce sont des, des, des à ce moment-là, ils sont pétris d'idées euh, juives, d'idées chrétiennes, plus ou moins dévoyées. Euh, Guillaume dit, un grand grand chercheur mm -hmm. euh, de l'université libre de euh, Bruxelles, Bruxelles, il qualifie le Coran d'apocryphe chrétien, mm -hmm. d'apocryphe chrétien. Donc on, on est vraiment dans cette même culture. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il y a un, maintenant un consensus général des chercheurs qui, bon, à la suite du père gallet et de quelques autres qui l'avaient dit il y a quelques années. Euh, parle maintenant de, on va dire, du milieu qui a donné naissance au, au, à l'islam comme étant une antiquité tardive, matinée d'idées euh, juives, chrétiennes et d'hérésies euh, euh, juives et chrétiennes. Donc on est vraiment dans cette continuité, mmh. en fait, dans ce, dans, ce, dans ce bouillon de culture euh, rempli de ces idées messianistes. Fin bon, Mais si on revient un petit peu à notre histoire, on est à Yatrib, et donc là ils se préparent ils renforcent leur position. Mahomet est plus que jamais le chef, le chef militaire des... Chef de guerre, oui. Chef de guerre, le chef de guerre des, de, 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 de la troupe arabe avec les, les, les mm -hmm. maîtres en religion judéo-nazariens qui les ont accompagnés, à qui ils ont fait allégeance. Et, et comme ça se préparent les expéditions. Il y en a une en 629. 629. Ouais. 629. Mmh. Qui se... il, il essaye, à, de, à partir de Yathrib de revenir en Terre Sainte en traversant le Jourdain à la façon du peuple, mmh. du peuple juif. juif pour donner tout un sens en fait, à mmh. son épopée. Quoi. Pour donner tout un le sens, sens à son épopée. Le sens de l'Exode. Voilà, voilà, le, le sens, sens passé, de l'Exode, exactement. Le Repasser aux mêmes endroits. Par mmh. le Jourdain, oui. Mmh. Et donc, complètement. Et ça, il y a des traces historiques, ça, des, voilà. des traces archéologiques, archéologiques, et puis des, des témoignages autres que sur cette bataille de, qui a eu lieu en 629 à voilà. Mouta. Et donc, on trouve des traces dans le Coran, mais aussi dans des, des, des chroniques arméniennes, des chroniques de l'époque. C'est d'ailleurs, je crois, le, le seul, le seul événement de la vie de Mahomet qui soit à la fois histori historiographiquement sûr ça. et bien daté. Et, oui. Une défaite en 629 à Mouta. Or les traces qu'on qu y trouve dans le Coran ne, 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 voilà, ne, ne mentionnent pas le discours islamique, ne présentent pas cela ça, ça, comme... C'est comme... moins qu'on puisse dire. Exactement. Exactement. Alors, Parce à l'époque, Mahomet est censé, dans le discours islamique, tourner toutes ses intentions vers la Mecque. C'est vrai qu'on n'a mm -hmm. pas parlé de la Mecque, là, vous remarquez, depuis... depuis... Oui, c'est le grand absent oh, de notre discours. discours. Oui, et, du, et du Coran, d'ailleurs. Oui. On, on va le voir dans les strates du grand, on va le faire tout de suite. Alors, pour l'instant, j'ai encore une question d'un auditeur. Donc, dans les recherches qui, qui remercie pour cette émission... D'ailleurs, au passage, dans les recherches mathématiques sur le Coran, j'ai trouvé le site echo.fr islamologie. Si vous le connaissez, voilà. êtes-vous d'accord avec ce qui est dit Je suis plus que d'accord, je suis adhérent de l'association echo. Bon, très bien. Alors, nous avec lisons... le Père Gallet, notamment. Voilà, nous avons les mêmes. Alors, echo, ça s'écrit e-e-c-h-o.fr euh, voilà. islamologie. Enjeu de l'étude voilà. du christianisme des origines. Euh, voilà. C'est Et... par la connaissance du christianisme des origines, de la prédication des apôtres, qu'on comprend par exemple les oui. phénomènes post-chrétiens. L'islam au premier trite. Par exemple. <laughs> Absolument. Trite, ouais. Vous êtes à l'écoute du libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois donc madame Laïla, et on en reste là, et Olaf pour deux ouvrages. Euh, vous avez entendu, chers auditeurs, l'importance de ces ouvrages. Le premier, euh, là, il a donc les trois visages du Coran, et le second, le grand secret de l'islam, c'est Olaf qui l'a écrit. Et celui-ci, et vous pouvez le trouver directement sur Internet en format PDF. Donc, le grand secret de l'islam en un seul mot.com Et vous aurez les trois, les quatre chapitres. Je ne sais plus comment ça se présente, enfin, etc. C'est un, un grand fichier PDF. Le fichier fait 88 pages en la 4 voilà, c'est ça. Et pour les lecteurs un peu exigeants, ils peuvent également le commander en livre. Il y a le lien euh, vers un, un petit livre qui fait une centaine de pages. 121 pages. <laughs> voilà, un petit un petit bouquin, format a 5 qui est très très bien fait. En PDF, les cartes sont en couleur et c'est important parce que les, les la, la, la couleur a coût, euh, ajoute beaucoup à la compréhension naturellement. Il oui, y, 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 y a quelques liens assez a, amusants. Il y, euh, y a notamment des cartes anciennes que j'ai pu trouver. Exactement. Trouve, la présence des coréchites en Syrie. Il enfin, y a tout plein de choses. Oui, <laughs> oui, ouais, tout plein de choses. Voilà, c'est plein bien de dit. surprises. Alors, je, euh, on, on revient. Si vous le voulez bien, mais n'hésitez pas à, à, à vous interrompre l'un l'autre de façon à enrichir encore le dialogue. Euh, Laïla, euh, euh, on, on a bien compris que le Coran n'était pas un, un, un corpus. Euh, euh, global en quelque oui, sorte, oui. mais qu'il s'était composé en, en, diverses strates, en diverses strates, avec une 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 strate non pas finale mais enfin intermédiaire, la, les strates du califat. Je veux pas euh, mm -hmm. euh, troubler votre votre propos, mais euh, ce qui est absolument incroyable aujourd'hui, c'est la façon dont le Coran est présenté, cet enchevêtrement de sourates qui n'ont qui, euh, qui n'ont rien de chronologique naturellement, euh, où on mélange les sourates médinoises, les sourates mécoises, enfin etc. et où on se se retrouve avec un texte euh, qui est euh, quantitativement composé puisque ça va des, des sourates les plus les, les plus petites, les plus petites euh, en, plus en poids oui, voilà. <laughs> jusqu'aux plus longues, oui. si bien que ça fait un texte qui est extrêmement difficile à, à, à lire et finalement. C'est très difficile à lire il y a eu plusieurs chronologies, il y a la chronologie ben, qui est actuelle mais il y a la chronologie aussi de l'université d'Al-Azhar qui n'est pas la même et puis déjà cette distinction entre Mécoise et Médinoise, elle est remise en question par les spécialistes. Exactement. Parce que justement, Guillaume dit, les travaux de Guillaume dit montrent qu'on ne peut pas établir de chronologie euh, euh, entre ah, Mécoise. Sur ces deux périodes chronologiques. Sur ces deux périodes, de la vie de Mahomet, parce qu'en fait, au niveau stylistique, il y, y a des regroupements, euh, enfin, des sourates dites Mécoises qui vont avoir un style mmh. plutôt midinois. Enfin, bref, il n'y a pas vraiment de, de chronologie mmh. qui, qui est établie mmh. par les scientifiques. Et donc, ce qui est surtout intéressant, bah, c'est de voir tous les emprunts aux littératures euh, mmh. apocry apocryphes et les littératures. Euh, on va dire midrachique, c'est-à-dire euh, toutes les petites histoires euh, qui sont dans le Coran, comme euh, l'araignée, l'histoire de Abraham et les idoles, euh, des histoires euh, sur Moïse qui sont inconnues de, de la Bible, qui sont inconnues de l'Ancien Testament, mais qui sont connues par contre de la littérature, euh, on va dire midrachique, mm -hmm. c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième siècle après Jésus-Christ, justement Cette dans fameuse ces. fameuses antiquités fameuse Antiquité tardive. Ouais. Antiquité ça. tardive mm -hmm. Et donc on trouve des, des, bon, des, des, des traces d'Ézéchiel, des traces de de Elie, de, de plusieurs rabis, de de, de, de quatrième Esdras, d'Apocalypse de Saint-Jean d'Apocalypse de, de, des livres beaucoup de littérature euh, variée euh, et donc il euh, y a aussi des, des emprunts d'évêques, donc en fait il y a des homélies d'évêques, un évêque euh, qui avait fait une homélie sur les sept, euh, les sept dormants donc des traditions orales aussi donc, donc une, une littérature qui est extrêmement dense et variée et aussi des, des auteurs euh, bah, chrétiens comme Jacob de Sarruc ou euh, les hymnes de, du paradis d'Ephraim de, de Nizib. Mm -hmm. Donc, on peut décrypter la littérature, enfin, la bibliographie des auteurs du Coran. Mm -hmm. Alors, Olaf, un commentaire, parce que je vois que vous étiez en train de repomper euh, dans votre propre livre des. Bah, un petit commentaire sur le, ce, ce distinguo arbitraire du, des sourates médinoises et mécoises. On a dit tout à l'heure que la Mecque était le grand absent de notre, no, notre... De notre propos. Euh, on, avait, on avait conduit l'histoire à peu près jusque mmh. vers 630, 632. Toujours pas question de la Mecque. Et, Mec, et, 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 et l'islam tourné vers Jérusalem. Et un de islam tourné vers Jérusalem. Quoi. Et un islam tourné vers Jérusalem. Euh, on voit déjà apparaître une part de l'imposture, en fait. Une part de la, la création a posteriori. Elle va arriver un petit peu plus tard, quand les, mmh. les Arabes mmh. essaieront de se justifier. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Mecque. Bah déjà, dans le Coran, on trouve une seule occurrence euh, du mot et une autre qui est quoi. Donc, en mmh. fait, deux occurrences mmh. pour un texte qui serait révélé euh, sur des lieux si fondamentaux et si extraordinaires. Et la géographie qui est décrite par le texte coranique ne correspond absolument, absolument pas, pas parce qu'on peut regarder, si on regarde un peu les plantes qui poussent fin, dans le Coran, ben, on se retrouve avec des bananiers, des jujubiers, on se retrouve dans le avec, désert de la Mecque. Voilà. Donc euh, même, euh, euh, comment il s'appelle. On se demandait où aurait pu trouver Abraham le bois pour faire ah oui. le sacrifice. Ah, Saint Jean, voilà, Saint Jean ça. Damas. il mmh. se demandait où on aurait pu trouver le bois pour faire le sacrifice d'Ismaël parce qu'en fait, il, il remplace le sacrifice d'Isaac par le sacrifice d'Ismaël. Mmh. Donc on voit que la géographie qui est décrite par le Coran ne parle pas du tout de la Mecque. Et puis même la monnaie dont on parle dans le Coran, c'est une monnaie qui n'existait pas, qui n'avait pas cours à la Mecque. Donc la Mecque est le grand absent du Coran et toutes les, les enquêtes euh, historiques sur le rôle de la Mecque qui aurait été un grand centre caravanier euh, sur la route euh, des caravanes pose un grand problème parce que les discours que l'on trouve euh, sont contradictoires et ne reposent pas sur euh, des cartes antiques. Il n'y a aucune citation de la Mecque dans les, dans les, dans les auteurs antiques. Oui. Aucune. Oui. Les itinéraires caravaniers qui sont bien décrits ne passent jamais par la Mecque. Et, et vous montrez d'ailleurs une carte ancienne où euh, effectivement, je ne sais plus si, euh, si c'est vous. Je montre pas mal de cartes anciennes. C'est <laughs> peut peut-être en lien sur le PDF Peut-être. Mais il y en a une où effectivement euh, on, on voit décrit toutes les... C'est pas où avant -ce le 9 e siècle. Le... Où le on vrai. voit décrits euh, euh, véritablement la péninsule à arabique et la Mecque n'existe pas. Elle est inconnue, totalement inconnue. À l'époque où on est Censé euh, euh, connaître euh, toute la, la chronologie, les batailles, enfin, etc. C'est tout de même assez paradoxal. C'est très paradoxal, effectivement. Pour, pour bien comprendre en fait ce qui s'est passé, co comment, comment est-ce qu'on en est arrivé à créer cette ville, il faut revenir un peu à l'histoire là où on l'avait laissée. On avait laissé notre troupe de, de, de Arabes et judéo-nazaréens à Yatrib, Médine, en train de préparer la conquête de Jérusalem. Mm -hmm. Alors imaginons que nous sommes vers les 632. Alors c'est la date à laquelle, par convention, on fait mourir, euh, on fait mourir Mahomet. Mmh. Il n'est pas certain qu'il soit mort effectivement là, parce qu'il y a des témoignages en fait de bataille en 634 notamment qui disent que Mahomet commandait encore ses troupes. Mmh. Alors peut-être que ça veut dire aussi que Mahomet n'est qu'un surnom donné au chef. Mmh. Bon, c'est un peu, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que bah, les... le contingent se relance à l'assaut. Et il va là bénéficier d'une espèce de fenêtre stratégique euh, vraiment très favorable, à savoir que les deux empires perses et byzantins se sont vraiment épuisés l'un l'autre dans leur guerre euh, sans fin, et ils arrivent à, comme ça, les, les Arabes arrivent en balayant tout, en, en balayant tout, en, en balayant, tout en, balayant tout, en passant par la Syrie, en ralliant les anciens judéo-nazaréens de Syrie, et petit à petit comme ça par l'élan le, 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 du, du réseau. De, ils arrivent comme ça à conquérir Jérusalem. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Le, le rouleau compresseur. Ouais. Jérusalem tombe. Alors on, on sait, il y a un petit doute, je crois, sur la date. 636, on dit 637, voilà, ouais. peut-être 638. Ouais. On a des témoignages de l'évêque de Jérusalem qui nous raconte que les, les Arabes campent à sa porte et empêchent les, les, les pèlerins de venir faire les dévotions. Euh, C'est lui-même qui va finir par ouvrir les portes de mmh. la ville en essayant d'éviter que ne le, se, se reproduise le, voilà. le, le grand massacre qui a eu lieu en 614 lorsque les Perses avaient on qui la ville, où on avait parlé de ces dizaines de milliers de morts, je pense qu'ils avaient encore ça en, en mémoire. Et là, il se passe quelque chose de très, très étonnant. Et on en a des témoignages. C'est là, c'est là encore où il y a eu tout un travail d'une de, de, nouvelle vague d'historiens à partir des années 2000 qui ont publié des nouveaux travaux, des nouvelles recherches. On a euh, Prémar, par exemple, dans son livre Les Fondations de l'Islam, qui nous exhume des témoignages fantastiques qui nous raconte ce qui s'est passé précisément quand les judéo-nazaréens, les arabes sont arrivés à Jérusalem. Aussitôt, en courant, ils arrivèrent au lieu qu'on appelle Capitole, c'est-à-dire l'Esplanade du Temple. Ils prirent avec eux des hommes, certains de force, d'autres de leur plein gré, afin de nettoyer ce lieu et d'édifier cette maudite chose destinée à leur prière, qu'ils appellent une mitziga, c'est-à-dire une mosquée. Et en fait, voilà ce qui se passe. Ils se précipitent sur l'Esplanade du Temple pour reconstruire le temple et faire revenir le Messie. On a d'autres témoignages. Sophron, par exemple, il évoque le rôle d'un marbrier qui l'aurait excommunié parce qu'il aurait contribué à, à construire ce fameux temple. Et donc, le temple de Jérusalem est reconstruit. Alors, évidemment, il n'a pas la splendeur du temple d'Hérode le Grand, mais le temple est reconstruit. On y, on y donne les, les sacrifices, on y fait les sacrifices nécessaires pour que le Messie revienne. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais Il ne revient pas. Le Messie ne revient pas. Le Messie ne revient pas. D'où le. Euh, on, on sourit là, ici naturellement, mais, mais ils sont extrêmement dépités. Ils sont déçus, hein, bah Ils sont, déçus, hein, ils sont extrêmement tellement... û... Mohamed, dans les Hadiths, annonçait le retour bah voilà, imminent de Jésus. Mm. Complètement, c'est tout à fait sa prédication. C'est d'ailleurs pour ça que le père Gallet a appelé sa thèse « Le Messie et son et prophète ». Prophète. Son, voilà. son prophète étant Mahomet, qui n'annonçait pas une religion nouvelle, mais le retour du Messie Jésus. Mm -hmm. Messie Jésus qu'on ouais. retrouve... Euh, messie terrestre. Un Messie tout terrestre, mais qu'on retrouve une cinquantaine de fois, je crois, dans le, dans le Coran. Ah, dans le Coran, on a quatre fois Mahomet, ouais. mais on a 58 fois euh, Jésus, Jésus voilà, mais, mais qui est désigné comme le Messie. Et 150 fois euh, ouais. Moïse ce qui corrobore tout à fait les les, les perspectives oui, les, suspicions, de, les suspicions et les perspectives oui. historiques modernes parce euh, qu'il faut quand même se fixer aux statistiques de démo. Et donc euh, c'est pas normal que dans le coran on parle plus de de, de Moïse et de, de Jésus et de Marie que de Mahomet que de il y a Mahomet, quelque, 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 quelque chose même si un non spécialiste peut se s'interroger et, et, suspe, et suspecter quelque chose absolument alors nous sommes euh, inondés absolument couverts de messages et de messages fort longs alors alors, chers auditeurs, pardonnez-moi, je ne vais pas vous réduire. Mais... Il y a des messages qui font 4-5 pages avec euh, certainement des choses tout à fait intéressantes. D'ailleurs, j'en ferai des photocopies si, si vous voulez pour mes invités. Avec des notes, avec des renvois, avec des, des choses tout à fait intéressantes. Alors, je me permettrai simplement de, de donner. Oui, là, là on ne pourra absolument pas lire. Je. dense, oui. euh, Voilà, c'est très dense. Alors, euh, je vous donne lecture de quelques. Alors, d'abord, une auditrice. Chère madame, là, c'est un reproche que je vous fais. Vous me dites jamais entendu parler du Père Galaise. Alors, si vous vous intéressez à l'islam, il est indispensable que vous procuriez les deux ouvrages, les deux tomes plus exactement, des, de, de, du, du père Édouard-Marie Gallès, le Messie et son prophète. Voilà, je je lui conseillerais d'aller directement sur mon site, le grand secret de l'islam.com, voilà, mais... parce que ce que j'ai écrit avec lui, là, c'est un travail de, de, de deux synthèse. ans. Exactement. C'est vraiment un travail de synthèse, de au clair de sa thèse pour, pour la rendre accessible au plus grand nombre. Voilà, donc commencez par euh, ce, ce site, le grand secret de l'islam, euh, qui n'est évidemment pas en contradiction, au contraire, avec, euh, j'ai travaillé euh, avec lui, hein. les ouvrages du Père Gallès. On, voilà. on a travaillé avec le Gallès Et moi. puis éventuellement après, mm -hmm. vous vous plongerez dans l'immense travail du père Gallès qui est passionnant, mais qui ne peut se lire qu'un crayon à la main. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Alors vers le troisième siècle, nous dit, euh, nous dit cet auditeur, donc vers, euh, vers le 3e siècle en Palestine, il a fallu un concile pour mettre au pied du mur les Juifs convertis, mais qui ne voulaient pas abandonner les rites et les fêtes juives. Ils ont donc été exclus de l'Église catholique, ils sont partis dans le désert et sont au début de l'islam. Oui, Ces chrétiens-là s'appelaient judéo-chrétiens. Oui. Voilà, judéo Ou nazaréens. Ce oui. Voilà. Oui. Euh, nazaréen, c'est mieux parce que dans le Coran, ils utilisent le terme de le nazaréen. Terme voilà, et exactement. à la fois, les nazaréens sont les amis, ils sont les ennemis. Donc on voit bien qu'il y a eu une difficulté à régler certains ah, différents et, à, et que tous les textes n'ont pas été maîtrisés, n'ont pas été nettoyés de, des anciennes amitiés. Parce qu'après, il faut signaler que les les nazariens vont être les ennemis jurés de, des, ah, des proto-musulmans. Mais... Alors, euh, je continue les, les, les messages. Euh, Savez-vous que les jeunes français convertis à l'islam et qui partent en Syrie au cours de leur scolarité... Savez-vous savez que les jeunes français convertis à l'islam et qui partent en Syrie au cours de leur scolarité. Que fait l'éducation nationale Demande-t-on. Bah oui, ça, effectivement. Bon, ça, c'est pas très malin. Bah... Les élèves en Syrie en ce moment. D'où vient la langue arabe que le Coran dit avoir été donnée par Dieu Alors, il y a plusieurs hypothèses parce que dans les chercheurs que j'ai lus, il y en a qui disent que ça vient du Nabatéen. Enfin, il, y a un, il y aurait eu deux arabes. Il y a Le vieil arabe qui, qui viendrait du Nabatéen et puis une autre piste qui dit qu'il vient de l'araméen. Donc il mmh. euh, y a, plus, y a, y a mmh. ces deux pistes, mmh. et puis enfin il y, y a une autre forme d'écriture arabe sud-arabique. Enfin c'est un linguiste qui a parlé de cette troisième forme d'écriture, mais il y a au moins deux mmh. pistes. Enfin, j'ai vu des chercheurs qui parlent de l'araméen et d'autres de du nabatéen. Et oui, il y a, il y a une, une grande proximité entre l'araméen et l'arabe, hein, je crois. Ouais. Mmh. Ah oui oui justement, mmh. Luxembourg fait une lecture syro-araméenne du Coran, donc c'est un chercheur allemand qui est sous le coup d'une fatwa. Donc lui il, il a déplacé les signes diacritiques. En voulant en voir si, en déplaçant un petit signe diacritique, on pouvait avoir un sens différent, différent bah oui. et plus clair. Et donc, justement, la sourate al-Qadar 97, il l'a traduit comme étant la descente du verbe fait chair et non pas la descente du verbe fait livre. Donc, ce n'est pas la descente du Coran, mais la descente de, de Jésus-Christ qui est célébrée dans la nuit de prière, à la fois chez les chrétiens et à la fois mmh. chez les musulmans. Donc, en fait, c'est en déplaçant juste Lui un de petit signe diacritique, il a interprété la sourate 97 comme étant une hymne chrétienne pour qu'il célèbre, euh, mm -hmm. qui célèbre la naissance. Donc, elle est paix et salue jusqu'à l'apparition de l'aube. Et donc, il a rapproché ça de, de la nativité, des, de la liturgie de la nativité. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de sourates comme ça. En déplaçant quelques signes diacritiques, il est arrivé à une lecture complètement différente. Parce que, comme on rappelle, le Coran n'y a pas ces signes diacritiques. Donc, on a une pluralité des lectures. C'est ça. Mmh. Ouais, il va falloir qu'on qu qu explique un petit peu comment est apparu le Coran en fait. Alors allons-y parce que le temps passe le temps très passe. vite dans cette émission comme ouais, vous le voyez bien et rapidement. on est, on est on était de là en 640. Voilà. En 640 Reprenons la chronologie le, le Messie ne revenait pas. Mmh. Et là il se passe quelque chose, c'est un renversement d'alliance. Évidemment, les Arabes emmenés par les judéo nazaréens dans une épopée de guerre, de conquête et de sacrifice se rendent compte qu'ils ont été trompés, mmh. manipulés manipulés par les juifs nazaréens, qui n'ont pas de messie pour eux et donc derrière ils vont se retourner contre eux les massacrer les bannir on en trouve les traces dans les discours musulmans c'est la conduite de mahomet envers les tribus juives de médine c'est ça et derrière et... ces arabes à qui on avait promis la terre entière et en particulier euh, une place de chef dans un royaume délivré du mal se rendent compte que bah ils n'ont peut-être plus le, le, le background religieux Pièce dans oui. le cochon, <laughs> excusez-moi. Pièce dans le cochon, bien sûr. Ils n'ont, ils n'ont plus, ils n'ont plus, on va dire la, la, le, le corpus religieux pour le, pour justifier la chose, mais ils ont le contrôle militaire de, bah, du, du, du Proche-Orient. Mm -hmm. Ils ont le contrôle militaire du Proche-Orient. Oui. Et ce qui va se passer après ça, c'est un pénible travail de justification religieuse de cette domination politique. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va en arriver à créer le Coran, à créer l'islam. Pour que les califes, petit à petit, puissent justifier voilà. la domination politique qu'ils ont hérité de, on de l'épopée de, de messianiste avec les judéo-nazaréens. Donc, ce qui va se passer, c'est que, à partir du moment où les judéo-nazaréens sont bannis et massacrés, on va euh, procéder à une destruction de tous leurs textes religieux, un effacement des mémoires, et on va euh, essayer de garder de leurs textes religieux ce qui pourrait aider à constituer un corpus religieux justifiant la domination politique. Donc on va récupérer deux, on peut pas récupérer deux leur Torah en hébreu, celle-là on va la brûler, on va pas récupérer deux leur évangile. Leur lectionnaire même, il est trop teinté de ce qu'ils étaient eux-mêmes, il rappelle trop le judéo nazaréen pour qu'on puisse le garder. On va conserver ce qui est facilement manipulable, on va conserver les brouillons de prédication des fameux prédicateurs, dont Mahomet, que le secrétaire de Mahomet a, a rassemblé. <laughs> voilà, voilà, exactement. C'est peut-être pour ça que ces fameux brouillons auraient été écrits sur des tessons de bouteilles ou oui. des omoplates de chameaux. Parce qu'on n'avait pas gâché du parchemin noble pour un brouillon. Bon, ça, on n'en sait, sait pas encore trop grand-chose. Donc on rassemble ces brouillons. Et puis, au gré de des luttes terribles, 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 terribles entre Arabes pour la, 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 la domination politique. Alors là, on a 50 années entre... 634 à peu près, et on va dire jusque l'arrivée d'Abd al-Malik mmh. en 687, 88 par là, non Oui, c'est ça. On a une, une guerre, une guerre sans nom entre, entre Arabes, qui ne s'appellent pas encore musulmans, pour entre le pouvoir. Calife et anti-calif. C'est ça, entre calif et anti-calif. Et anti c'est anti ouais. dans cette, ce maelstrom où les, ils s'entretuent les uns les autres. Que va naître la Mecque et, et... Que naît la Mecque Que naît Mahomet en tant que prophète mmh. Que naît le, le Coran comme livre révélé par Dieu Connaissent des idées. En fait, les partisans du calife vont être contestés, par exemple, par un anti-calife qui va dire oui, mais moi, je suis anti-calife, justifié parce que j'ai le prophète Mahomet mmh, avec moi. Mmh. Alors le calife va dire oui, non, mais moi j'ai le prophète Mahomet, mais j'ai le Coran révélé par mmh. Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a une espèce de dialectique qui va conduire le, le... très artificiel, hein, très, mais... très artificiel, très artificiel, qui va conduire les les, les les Arabes à se construire petit à petit une religion. Et c'est Abd al-Malik qui va le, donc le très grand calife Abd al-Malik. Mmh qui va fixer les bases de cette religion qui n'est pas encore l'islam, qui n'a pas encore le visage actuel de l'islam, mais qui, on va dire, en, en épouse un petit peu les contours. Ça, on le verra avec la construction du Dôme du, du, Rocher, du Rocher à la fin du 7 voilà, siècle. – Le Dôme ça. du Rocher, on ne voilà. parle pas du tout du Coran. – On aussi. ne parle pas encore du Coran. – On ne parle pas du Coran. Il faut voir même qu'en <laughs> 640, il y avait un colloque interreligieux entre un patriarche jacobite et un compagnon du prophète, et il ne parle pas du Coran. Donc en 640, le Coran n'existe pas encore. Et bien donc, sûr. Sur le dôme du Rocher, il n'y a pas de trace non plus de ce Coran. Donc en fait, c'est une construction a posteriori, bien 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 mm -hmm. postérieure à la, à la mort de Mahomet. Ce qu'on voit sur le dôme du Rocher, c'est mm -hmm. la célébration d'une religion nouvelle qui n'est pas encore l'islam, qui est une sorte de religion d'Abraham héritée plus ou moins des judéo-nazaréens. Mm -hmm. Une religion qui coiffe la religion chrétienne, on va dire le, le, les chrétiens et le judaïsme, et qui, qui place les nouveaux seigneurs politiques, les Arabes, au-dessus d'eux. C'est ça. C'est la, la, la justification euh, religieuse du messianisme politique mmh. qui avait été le leur, transmis par les par les Nazaréens. Mmh. Et alors finalement, ce texte connu aujourd'hui du Coran va être assemblé petit à petit, petit, à petit et oui. va être euh, figé en quelque mmh. sorte, alors qu'il aurait pu continuer à évoluer d'ailleurs, mais mmh. va être figé par des nécessités politiques d'affirmer pour les califes leur propre autorité. Mais il y a eu une compétition entre les codex. Bien Donc sûr. Il y a eu beaucoup de codex de compagnons du prophète, le codex d'Humay, le codex d'Ali, le codex de Massoud, qui ont été brûlés. Donc il y a eu beaucoup d'autodafés, beaucoup mmh. de compilations et d'autodafés. Donc on ne peut pas parler d'un Coran. Il y a eu plusieurs Corans. Ah, même les, les chiites, ils disent que le Coran actuel, il lui manque tous les personnages qui se réfèrent à Mahomet. Que, mmh, que les sunnites ont enlevé le personnage de Mahomet pour justement de raisons politiques. Voilà. Donc il y a pluralité des Corans et c'était un fait qui était communément admis par les savants de l'islam jusqu'au XVe siècle. Mmh. Donc en un mot, euh, une construction euh, purement intellectuelle en fait d'une religion. À a, a, a posteriori pour justifier d'une action politique. Elle est, elle est parfois même plus qu'intellectuelle. Parce que le, la, la grande difficulté de des de, on va dire des nouveaux maîtres de, de, du Proche-Orient, c'est qu'ils se retrouvent avec euh, dans, dans une situation euh, où ils doivent justifier de leur domination politique sans forcément derrière avoir les, les outils nécessaires. Mmh. Le Coran, par exemple, euh, ce sont des textes anciens comme les. En, en parlait qui ne justifie pas forcément euh, par eux mêmes le, le, la domination politique. on va essayer de leur faire dire autre chose on va construire autour du coran un discours, un discours islamique qui dit autre chose que ce que le texte veut dire tout et tout. on va euh, déplacer et contraindre le, la géographie les mémoires des arabes pour faire rentrer euh, le réel dans le nouveau discours. on va à ce moment là créer la ville de la mecque on va baptiser les collines de la Mecque du nom, par exemple, de lieux qui, qui étaient courants en Syrie. Plutôt, va... plutôt vers Petra d'ailleurs. Euh, Alors il enfin, y, euh, y a plusieurs thèses. A selon, plusieurs selon thèses, oui. Pardon, là, la, Syrie, je, euh... je renvoie à un autre, Alors là, là, un autre discours. Oui, effectivement, ça pourrait être mais... Petra. Oui. Certains auteurs l'affirment. Oui. Et en fait, il va y avoir comme ça tout un transfert des mémoires euh, originelles des Arabes euh, géographiques. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre les souvenirs de la Syrie, on va les greffer mmh, sur la Mecque. Il va y avoir des souvenirs euh, plus, plus diffus, par exemple le, le, le souvenir des judo nazaréens. Il va être transformé. On va faire des judo nazaréens dans le Coran des chrétiens pour pouvoir condamner les chrétiens. Et il y a comme ça tout un ensemble de transferts historiques qui vont euh, justifier ou du moins qui vont rentrer dans le discours islamique qui vise à contraindre la réalité. On est totalement là dans la construction de cette surréalité dont je vous parlais. Cette surréalité, c'est le, le, le phénomène qu'on voit à l'œuvre dans tous les messianismes politiques, que ce soit le communisme par exemple, le nazisme, où on construit des visions un peu folles de, de, de monde idéal. Le surréalisme... Le, ça, pardon, le, et la surréalité, sur la, la sur sur ça, ça mène derrière, derrière à refouler profondément le et réel. Ça, amène ça, amène ça, ça mène à la violence. Ça mène à des délires de persécution. La de, de la violence, c'est la surréalité. Voilà. Des délires de persécution, etc. Des de persécution, à fait, à voilà. Fait. Donc on est aux sources de la violence, en fait. Le grand secret de l'islam Olaf en est l'écrivain. Le, 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 euh, grand secret de l'islam que vous pouvez, chers auditeurs, découvrir de, sous deux formes, ou euh, en vous branchant sur Internet et ou en allant chercher le grand secret de l'islam.com et vous aurez toutes les toutes les ouvertures en PDF sur ce texte ou alors en le commandant mais là aussi sur euh, via le, site internet. Le, le grand secret de l'islam via le site internet vous pouvez euh, vous pouvez donc euh, acheter ce volume de 121 pages en A5 euh, qui est euh, voilà, Je reçois encore des, des messages, je vais euh, vous en faire part, mais on n'aura plus le temps de les traiter, j'en suis désolé. Les trois visages du Coran, c'est Laïla, et vous trouvez ce livre naturellement à la librairie Notre-Dame de France. Merci Laïla, merci Olaf. Merci beaucoup. Merci.